En tout cas, nous, c'est notre liste, et respectez-la, quoi. Non. Allez, s'il vous plaît, ne tapez pas dessus. S'il vous plaît. Non, 5 films qui va marquer l'année 2014. Qui vont marquer. Ah merde, j'en étais sûr. Vous allez vous apercevoir qu'il manque, par exemple, Gravity. Marqué l'année 2014. En tout cas, ce sont des films qui s'annoncent hyper... Non, mais... Alien Isolation. Avalanche. Parce que Alien Isolation, ouais. On va dire quoi, ouais, vous voulez refaire ouais, la couille. C'est en portugais. Là. Attends, je te refais un petit peu de... La nuit dans Alien Isolation, alors... Après la tempête Xintia. Je sais pas comment ça s'appelle la dernière fois. Dirk. Eh oui, c'est facile à s'en souvenir. Christophe. Non, Christian. Christian. Bon, bref. J'ai fini par vaisseau spatial hein, quand même. Ah bon? Le mec il s'arrête à sympathique en fait. Oh putain, je sais pas. Non, je prends que les mots-clés dans ta phrase. Ça fait vraiment mal. Alors, en plus, les films ne coûtent pas cher. On se demande pourquoi. On se demande pas, qu'est-ce que je raconte parce que je fais de la merde. Donc, on recommence, en fait. Et ouais. je réfléchis à ce que je vais dire. Non, mais tu dis... Les gens prennent trop de salaire pour faire les films par rapport au budget maximum pour le film entier. Ça fait vraiment du mal. Putain, mais je fais de la merde. Je sais pas ce que tu dis, donc je peux pas t'aider. Les films, on verra bien en 2014 comment ça évolue. Et sinon, Steam nous en a appris un peu plus sur ses Steambox, mais ça se retrouve dans un partenir. On va savoir pourquoi. Je voulais dire, on va pourquoi tout de suite, on voit ça tout de suite. On va ça pourquoi. On va ça pourquoi. On la refait ou pas? Non, c'est bon. J'en ai marre. T'es sûr? Oui, c'est bon. C'est quoi Assassin's Creed Liberation HD? C'est quoi? Comment ça s'appelle la... J'en sais rien du tout. Putain, le mec, je lui dis histoire, le mec, il m'a raconté quoi encore? J'ai parlé du gameplay en particulier. et d'histoire au global. J'avais pas le temps pour aller chercher un truc, moi. Comment ça s'appelle? Mais c'est pas grave. Ça s'appelle Evelyn, je crois. Ah oui. Non, mais en plus, oui, ça me fait tiquer. Les joystick resteront, c'est l'écran tactile du milieu qui disparaît. Pour quelle raison, on ne sait pas. En tout cas, c'est peut-être une bonne chose. Et sinon, Nintendo a perdu de l'argent l'année dernière. On voit ça tout de suite. Sérieux, quoi. Paf, paf, c'est un film de boxe. On vous passe au clip Tomb Raider Definitive Edition sur PS4. Non, mais non, je te dis pas ça. Je te le garde, ça. Tu te le... Ouais, bon, ok. Je m'en fous, mais... Non, mais sinon, il y a aussi 12 Years a Slave ou Une Autre Vie. Tomb Raider Definitive Edition, c'est Lara Croft en version Ultra HD et match retour, c'est un match de boxe avec des grands-pères. Wouh ! Une vidéo croustillante cette semaine ? Ouais, c'est croustillant. C'est quoi le rectangle là ? Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. J'ai fini comment ? Je sais pas, je me disais, ok, vas-y, continue les réseaux sociaux, vas-y. En plus, t'as dit, il est venu le temps, moi j'ai dit, derrière les gens. Je l'ai fait exprès en fait. Il y a le soleil là, quoi. Il y aura le soleil là, tu serais pas dans le même état. T'auras un peu plus de bulles, quoi. Je sais pas ce que t'as raconté, là, Il y a un moment, j'ai cru que t'avais complètement lâché, je me dis, bon, ok, on la recommence, puis en fait, non. Tokman avait une info nulle à vous donner en plateau. J'en mets <m'étonne> Oh le gars. C'est pas possible de travailler dans ces conditions. T'es bien d'accord? Je veux dire... Si tu parles au bout de carton, oui. Bah, d'accord. Je t'emmerde. Oh putain. Final Fantasy XIII et le... Oh putain, c'est... Non mais t'as pas le droit de faire ça sans déconner. T'as pas le droit de me le faire, quoi. J'ai failli sauter au plafond quand je l'ai reçu du premier coup, quoi. Final Fantasy XIII et... Final Fantasy XIII. Tu mets des R derrière chaque console, c'est quoi l'histoire? C'est bien sympa, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez vous nous... Oh non!
non, merde, putain. Un forum avec des sondages, des topics, une communication très... j'étais sur téléachat là. Oui, c'est ça, j'étais dire, pour un prix de simplement 14,95€. On vous passe au crible. Pour les autres genres de films, vous avez Pompéi ou Tarzan 3D. Donc, avec un Tropical Returns... Tropical... Le mix ultime. Joe, c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme un petit peu alcoolique, un petit peu... Enfin, voilà, un petit peu méchant, tout ça, qui va sauver la vie d'un jeune homme qui est un petit peu mal... voilà. Oh putain, ça en devient pittoresque. Permets-moi l'expression. Je te permets l'expression. Je te la permets. Et sinon, la PS4, c'est plutôt bien vendu. On voit ça tout de suite dans le sujet. J'ai vu le quart d'heure que t'arrivais pas à t'arrêter. J'ai vu le quart d'heure que tu pagayais en direction de nulle part. Dans les sorties de la semaine, vous aurez Plantes vs Zombies, Garland Warfare. Ah putain, c'est ça. Merde, faut que je m'y fasse, putain. Bon, j'y retourne. Je suis pas parti, du bien. On se quitte avec les Gardiens de la Galaxie. Ok. Prêt? Ah, c'est une arme ça, c'est un javelot. C'est un javelot. Tu le mets en vert? Tu le mets en vert, c'est un javelot. Pose-le. Je peux dire que ça? C'est un javelot. Et sur jeux vidéo. Ah putain, c'était jeux vidéo stream? Oui? J'ai eu un doute. Putain, j'ai eu un doute. Tu voulais dire quoi? Bah live. Ah attends. Oui, non, c'est bon, c'est jeux vidéo stream. Qui ça m'aide pas? Je te jure. Oh les guillemets. Attends, il y a un doute là. Non, j'ai vraiment un doute là. La News Gamer, elle, n'a pas eu d'Oscar, mais peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, on regarde celle-là tout de suite. Petite blague. Et c'est Sam Raimi qui sera à la réalisation. Un truc de dingue. Et puis, bien évidemment, le scénariste du jeu sera aussi présent avec le directeur du studio Naughty Dog. Enfin bref, un film qui s'annonce génial. Et on a eu... Ah, pardon. Mais tu patinais dans ton truc là, je sais pas où est-ce que t'es parti. Dormir moins, manger moins. Manger moins, manger moins, manger moins. En fait, tous les mecs qui font des jeux sur Xbox, ils donnent des Xbox One. Ça gonfle les chiffres. En fait, sur les 4 millions d'Xbox vendus, il y en a que 3,5 millions de donnés au studio gratuitement, tu vois. Très stylé, franchement, le noir et blanc, ça ressort vraiment clair. On espère que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. Et là, on va vous parler d'Alien Isolation, le prochain film. Ah, le prochain jeu, bon. Oh putain! Et en plus, vous avez dit Isolation. Ouais, donc je parle pas d'Alien. On parle de technologie, on voit ça tout de suite. C'était nul. C'était nul. Un film d'EuropaCorp avec un budget de 28 millions d'euros. Allez, comment je parle de budget là? Je t'avais bouffé ta phrase. Pourquoi? Quand j'ai dit exclusivité. Oui. Je l'ai senti. Je l'ai senti quand je l'ai dit. T'as eu un petit. Bien loin. On voulait vous montrer aussi un nouveau film d'horreur avec Eric Bana. Mais on s'est dit que ma foi, c'était l'occasion de. Ma foi. C'est bien loin. On espère que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine. Salut. Tu vas pas parler. Tu remarqueras comme j'ai coupé court. T'as pas parlé d'Eric Bana. Non, mais j'ai dit. Marre. Ici sur des news terre. Plus terre à terre. Plus. Heavy metal. Objets qui permettront en fait aux joueurs de le commander sans précommander. Ah merde, décommander. Voilà, c'est ça. Décommander. On va faire une news gamer Michael Bay, tu vois. La GBA reviendra sur votre gamepad avec 8 jeux adaptés pour la Wii U. Alors voilà, je ne sais plus me dire après. Que ce soit une bonne idée, peut-être. Ouais. Alors attends. Passer au crible. Apprenti gigolo, avid mistral, salaud on t'aime. Y'a pas d'autre jeu? Hein? Ouais! Sortez la barque, amenez les rames.
Ah, The Elder Scroll, alors là. Amener la chaloupe. The Elder Scroll Online, c'est The Elder Scroll Online. Non, mais t'as besoin d'un vieux sage un peu blackos, tu prends Morgan Freeman, quoi. Un peu beaucoup. C'est vrai que même les cheveux sont noirs. Quoi, la réflexion. Raph qui continue son petit bonhomme de chevin. De chevin. Ce sera la suite de Gravity, chevin. Tiens la rente, je dis qui tient la rente, ok. Tiens la rente. Ce sera le troisième chapitre sur notre triptyque, tu vois. Gravity, chevin, tiens la rente. Avec les tortues ninja. Oh merde. Oh merde. Bon. De Michael Bay. Mais t'imagines, il faudra 3 Blu-ray pour Uncharted 4 là. Non mais sans déconner, voilà, Jeanne... quand j'ai vu ça. J'adore, ouais, le Blu-ray pas assez grand. Je suis attends. Ils ont deux secondes. Ils ont pas optimisé ou je sais pas, il y a un truc. Pas, hein. Je fais une de ces têtes sur le truc. Ça, c'est comme d'hab aussi. Y a pas de changement, t'inquiète pas. Hein. Alors. Bon, qui parle de jeux vidéo, mais aussi de cinéma, de séries TV et de musique. Et si jamais vous voulez nous parler... Ah, on recommence. J'ai oublié les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, allez, il tente un truc, là, c'est moderne, c'est New Age. Il va sortir une tablette, il va faire Nikos. Ça sera très, très bien fait. C'est une vraie claque visuelle. On espère que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine. Salut. Là, j'ai été à la pêche, hein. Je t'ai vu, t'as mis 10 ans à réagir, t'as vu. Ah non, mais ah. Ben non, c'est parce que t'es là, tu fais, ça va être du Hollywood, ça va être du bon. Eh oui, Ben Affleck sera Batman dans Batman versus Superman et dans Batman après. Eh bien, la première image fait un petit peu peur, puisque bah, Batman ressemble un petit peu à un Robin, on va dire, entre guillemets. Bon, même si ça se rapproche du comics apparemment... Chez Gears of War, vous devrez attendre un peu plus longtemps, on voit ça dans le sujet. Wolfenstein Junior Order, c'est le retour du FPC. Putain. Là, tu m'emmerdes. 139. Ok. Là, ouais, on aime, mais en tout cas, faut pas que le. Putain. Les acteurs ont fini le tournage et non, je ne sais pas en fait. Et voilà en fait. Voilà. Tout de suite. Battlefield. Eh oui, le prochain Battlefield qui s'appelle Headline. Non, c'est. Headline. Combo. C'était rien. Le prochain Battlefield qui s'appellera normalement Headline sera un Battlefield qui Et on vous parle tout de suite aussi d'Electronic Arts et de son jeu de sport UFC eSports. C'est le contraire. Ouais, c'est pas grave, ouais. Parce que je voulais juste dire UFC et je me suis dit, si je dis juste UFC, je vais forcément rajouter après que choisir, donc je voulais pas faire la blague. Donc... Par rapport à la Wii U, ça fait un joueur sur 6 qui a ou qui ont. Un joueur sur 6 qui possède. Mais à 1,2 million d'exemplaires, c'est un chiffre incroyable, surtout pour un jeu Nintendo et un jeu Wii U. Si ton compare. Voilà, on passe au crible. Alors, c'est Dragon 2 ou Dragons 2? Je sais pas. Dragon 2, je pense. Amy France, c'est un nouveau jeu qui vous balance dans la Seconde Guerre mondiale et les. Les voies du destin. Merci. N'importe quoi, mais dans le mauvais sens, puisqu'il n'y a rien à raconter, ou presque. En tout cas, on voit ça tout de suite. C'est vachement le mec qui donne envie de regarder l'émission. Il n'y a rien à raconter. C'est de la merde.
Franchement, restez pas quoi. Non. Ça sert à rien de vous perdre votre temps. Je... Les acteurs français vont-ils être moins payés? C'est la question qu'on peut se poser. C'est la proposition du SC. Du SCPWWV. Oh, les gars. Que le cinéma, c'est de la merde. Sniper Elite 3, c'est un jeu où vous pouvez jouer Sniper dans l'Afrique du Sud. Et Transcendance, c'est un film où des chercheurs transforment un ordinateur en conscience. T'es sûr que c'est en Afrique du Sud? Ouais. Ouais. On va dire aux gens de jouer au jeu des 7 erreurs sur Anus Gamer. Non, mais. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est sûr que c'est l'Afrique. Mais après Afrique du Sud ou du Nord ou de l'Est ou de l'Ouest, je sais pas. Parce que c'est pas logique en fait que c'est en Afrique du Sud. Bah. On s'en fout. Vas-y, regarde. Je Splatoon sur Wii U, on voit ça dans le sujet. Psychologique que je tords là. Le grand écran a explosé. Attends. Le ouais. Jeu s'appelle Guacamele Super Turbo. Il est gratuit. Super Turbo Championship Edition. Sans déconner. Ça va. Guacamele Super Turbo Championship Edition. Fury. Donc. Fury of my life. Et sinon, on se quitte avec ce qu'il fallait voir. Il fallait voir Fury. Et Fury, c'est un nouveau film. Ok, on va le prononcer à la française parce que sinon tu vas me chier ça. Fury. Hein. Allez voir Fury. Fury, c'est un nouveau. J'étais sûr que t'allais graguer. Oh putain. Oh, merde. Oli Oli. American Nightmare 2. C'est vraiment rectage. Planes 2. C'est vraiment. Là, va de pire en pire. Là, c'est son cri d'agonie. Aïe. Ah attends putain, bon, je les ai pas les Francis. Hein. Oui, le jeu de Warner Bros. Prend de l'avance de 4 jours. Et oui, c'est très peu, on se demande pourquoi, on se demande si les développeurs ont le temps de faire, enfin de finir le jeu. Enfin voilà, c'est des questions qui se posent, mais en tout cas, le jeu sortira le 3 octobre à la place du 7 octobre. Et tout de suite, on voit un making-of pour Assassin's Creed Unity. J'adore le calcul que t'as fait dans ta tête. Sortira le 3 octobre, 4 jours, le 7 octobre. Pour une grande respiration, ça va passer. Ok. Ensuite, console de salon pour les télés aussi, qui sont 3D, parce que si vous avez une télé 2D, bah, ça ne marche pas. En tout cas, voilà, la prochaine mise à jour sur PS4 amènera ce support. Et la Wii U va voir arriver un nouveau mode de paiement, mais seulement au Japon. On voit ça tout de suite. C'est des... Oui. Ça galère. Ça galère. Et voilà, on arrive à la fin de cette 147e News Gamer. Et comme on vous le disait au début, il y a des motards qui passent et je pense que ça a fait du bruit. Voilà. On vous l'a dit au début d'ailleurs. On vous l'a dit au début. Une journée qui avait fait sensation sur PS3 pour sa beauté et sa tendresse arrive bah, sur PS4. On l'a appris autant que Game Show. C'est une bonne nouvelle. Bah, bon, dommage que ça soit juste un remake. Et sinon, dans le sujet, on va vous montrer une vidéo de ouf pour Destiny. Sa tendresse. Oui. Je sais pas. En fait, c'était poésie. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Tendresse. Bon. NBL. J'ai les yeux qui vont pleurer. Oui, moi en fait j'ai une espèce d'autoroute là de lumière devant moi. ça fait assez bizarre en fait. Non mais je te jure, je vois des. Tu sais, ça fait des rayons. Des, blanc, noir. Destiny, c'est le nouveau hit de Bungie et Sextape, c'est un film qui nous parle de les Claude en mauvais. De les Claude. Les Claude. Les Claude. Les Claude. Oui, bon. Lee Claude. Lee Claude. Lee Claude. Fameux Claude.
qu'on la refait peut-être. Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 148, une News Gamer qui aura mis du temps à venir. Et oui, on a pris un petit mois de vacances et on revient tout frais et tout froid. Je sais pas quoi. Tout froid. Tout frais, tout froid. Voilà. Tout frais payé, voilà. Je sais pas ce que je voulais dire. Tout frais. Je sais pas. Magnific Journey va arriver sur PS4. Eh oui, il avait et. Il avait et. Soufflé, oui, peut-être, je ne sais pas. NBA Live, et oui, il y en aura un cette année, malheureusement ou pas. En tout cas, bah, la vidéo qui a été dévoilée par Electronic Arts cette semaine montre des graphismes. Oui, c'est joli, mais le gameplay il est où? Et sinon, à la fin de c'est ça, merde, désolé, oh, désolé, c'était bien, désolé, tu m'y attendais pas, je m'y attendais pas là, tu vois. Ah, oh, tu m'as envoyé une balle lente là, ça m'a. Je m'en doutais, mec, je l'ai eu en partie. Mais je l'ai senti venir, tu vois, je l'ai senti venir. Dans ma tête, je me suis préparé, et merde, je suis pas prêt. Envoie un truc, non, merde, c'est pas parti. Ah, désolé. On a eu cette semaine une vidéo pour le prochain NBA Live. Et oui, NBA Live reviendra cette année. On sait que le jeu est nul, mais quand même, tu vois. Oh putain. Journalistiquement, on n'a pas le droit de le dire avant, tu vois. Sinon, à la fin du sujet, on vous montrera le prochain Call of Duty. J'ai cru que t'allais en mettre du temps. Non, t'as vu, je suis professionnel, monsieur. Une demi-heure. Ah, c'est bon, j'ai compris. Le prochain Naruto, Mademoiselle Julie, les recettes du bonheur. Que des films français. Que des films de merde. Rien qu'au titre, tu vois, tu sens que c'est nul. Destiny, c'est le nouveau hit de Bungie et Sextape. C'est un film qui parle de Like Cloud comme il faut pas. Je m'y attendais en fait, j'attendais que j'y arrive à Like Cloud. Like Cloud. Ah, je me suis retenu de rire pendant que tu parlais. Oh bah là, on l'a refait de rigoler trop tôt. Tu crois? Bah oui. Non, je pense pas. Moi aussi, toi t'es mort de rire, mon cou. Le mec. Oh non, Like Cloud, merde. Putain. On reprend nos petites habitudes en vous parlant des sorties à venir. Cette semaine, côté jeux vidéo, vous pourrez jouer à un nouveau Naruto. Je vous passe le nom compliqué, j'ai pas envie de me vautrer dessus. Par contre, il y a un nom beaucoup plus simple. Oh putain. Oh merde. En fait, il est fini depuis 3 quarts d'heure. Là, ça y est, 2-0. Par match de basket, 2-0, c'est la loose, tu vois. Je veux dire, c'est... C'était Arsenal, moi. T'imagines les mecs, hop. Ah bah ça y est, fini, 2-0, on arrête les gars. Oh, je croyais que c'était Arsenal. Destiny, c'est le nouveau hit de Bungie et Sextape. Et je suis sûr que je m'étais concentré comme un malade pour pas rire. Je me suis concentré comme un ouf, hein. J'étais prêt à me mordre la langue, tu vois. Je rigole pas, tu vois, rigole pas. Non. On arrive à la fin de cette 148... Bah, on t'était pas vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 149, une News Gamer au sortir d'une semaine un peu morose quand même. Eh oui, pas grand. Bien joué, chaise. Dans le rôle du grincement, la chaise. Eh oui, puisque le jeu aura des DLC alors qu'il a un an de retard. Eh oui, les équipes de développement n'ont pas eu le temps de rajouter du contenu et doivent le mettre en téléchargement. Un comble. Et sinon, dans le sujet, on parle aussi de DLC avec Lego Batman. J'aime bien comble aujourd'hui. Comble. On travaille dans les combles, donc ça tombe bien. Warriors, c'est le retour de l'univers de Zelda dans un jeu complètement foufou. Et Sin City, j'ai tué pour elle, c'est le retour du comics en noir et blanc avec le sang qui ressort au cinéma. Oui, je sais pas ce que... T'as envoyé la corde, ça marchait pas, t'as renvoyé la corde. Oh, oh putain, la vache. Comment tu m'as dit ça? Oh putain. Oh le boulet quoi.
On se quitte avec Fabulous. Vous pouvez toujours nous retrouver sur le site total-gamer.com et venir discuter avec nous en direct, ça nous pose aucun souci. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, Dailymotion, YouTube et Dailymotion. Sur YouTube, Dailymotion, YouTube et Dailymotion. Et YouTube. Dailymotion aussi. On vous a dit qu'on était sur Dailymotion. Venez nous voir sur Dailymotion aussi surtout parce que... Et on a une page Dailymotion. Sur YouTube, Twitter, YouTube et Dailymotion. Dans ma tête, je croyais que j'avais dit Facebook et Twitter au début. T'as dit Twitter à un moment, mais... T'as dit Facebook, Dailymotion, Twitter, YouTube et Dailymotion, voilà. Oh putain. Elle est pas mal celle-là. Oh putain le nez. Bon, l'intro sur Tokyo Game Show. Allez, c'est parti. Tokyo Game Show. Yeah, 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 yeah. Ah, que tu roules dans. C'est Tokyo Game Show, j'en connais. D'accord. Putain, le mec. 150 wow. Christopher Waltz. Wow. Wow. Christopher Waltz. Big Eyes, Amy Adams, Christopher Waltz, Tim Burton. C'est coloré. Amy Adams. Amy Adams. Christopher Waltz. Adams. On va prendre deux secondes quand même pour la digérer celle-là. De quoi ? Famille Adams. Je prends deux secondes quand même pour la digérer pour être sûr quoi. Parce qu'elle est pas très très bien passée non plus. Hein, tu vois, je veux dire. Là, elle reste un peu dessus là. Hein, tu. Pff, t'as du mal à la digérer quand même. Hein. J'ai dit ça, c'est même pas pour rire quoi. Sans déconner. Bon. C'était pas une blague. Du coup, on reparle de jeux vidéo au stream. Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 151. Après News Gamer 150 très intéressante mais tournée sur le jeu d'horreur, on est toujours sur News Gamer intéressante mais un peu plus action. Et voilà, cette semaine c'était un peu plus de l'action, de l'aventure et un peu moins de peur. En tout cas, on voit ça tout de suite. Mais en fait, t'as raconté tout. Oui, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai dit. Okay. Nintendo a 125 ans. Et oui, la marque Nippon a maintenant 125 ans. Et oui, elle a commencé bien avant l'arrivée des jeux vidéo en vendant des cartes à jouer et après elle s'est mise aux jeux vidéo dans les années 80, je ne sais plus. Et voilà, donc on recommence. Tout de suite, un making of pour The Order 1886. Moi, je étais sûr que tu racontais de la connerie. Bon. On fout quoi. C'est pas la dernière. Nintendo a fêté cette semaine, et pas cette année. Enfin, oui, cette année aussi d'ailleurs, mais c'est plus important que cette semaine, parce que sinon on aura plus le lien n'importe quand. Et toujours avec la Wii U, et. J'allais dire, et on continue à News Gamer tout de suite. Non. Qui continuera, on l'espère, encore longtemps. J'aurais pu dire. Ça galère. Je suis bien le bruit du cheval. Non. Non, non, là on aurait dit un petit blaireau là. Un blaironné. Un blaironné. Un petit blaireau qui rentre vers sa tanière. Bah, tu vois, je fais bien le blaironné. La marque oui. Nippon a maintenant 125 ans. Une grande histoire qui est bien. Qui... Un blaironné. Ah, Vincent Van Gogh. WG. Comme Volkswagen. La marque Nippon a maintenant 125 ans, et oui, une grande histoire qui a commencé bien avant l'arrivée des jeux vidéo avec la vente de jeux à jouer. C'est parfois, il y a juste des jeux, c'est juste tu les mets en vitrine, tu vois. De jeux à jouer. Oh putain, non mais tu dis tout de suite ça. Ça y est, dans le Z. Une histoire qui a commencé bien avant l'arrivée des jeux vidéo, en vendant des cartes à jouer. En tout cas, on espère que... Putain, Si on parle autre chose, hein, moi, je veux dire... t'as qu'à juste dire oui. Oui. Oh putain, vas-y. C'est trop chaud là. Et non, le salon japonais du jeu vidéo a attiré moins... Attends. Moins de 200 000. Ouais, non, mais c'était pas ça. 125 ans. Une histoire qui a commencé bien avant les jeux vidéo, puisque Nintendo a créé des jeux à jouer. Une histoire qui continue avec la Wii U, et qui continue
avec des jeux à jouer. On continue avec ça. Le Tokyo Game Show n'a pas fait sale comble. Ah oui, j'ai envoyé du moulin là. Le Tokyo Game Show n'a pas attiré beaucoup de monde. Et non, alors... Attends. Le salon japonais du jeu vidéo a fait beaucoup d'annonces avec Final Fantasy XV ou autre jeu. Et oui, ça fait... Attends, je sais même plus ce que je devais dire après. Ah, j'ai compté sur le fait que t'allais te planter, tu vois, je te connais bien. Ouais, j'ai dit, c'est bon. Watchdog 2. Le Tokyo Game Show n'a pas vu beaucoup de spectateurs. Même si le... Putain, mais tu changes à chaque fois, moi je je sais plus moi ce que je dois dire. Beaucoup d'annonces durant ce salon japonais, et non, il y a eu moins de 200 000 visiteurs, ça fait pas beaucoup, une grosse baisse par rapport à l'année dernière. Pourtant, c'est incompréhensible. Une grosse baisse par rapport à l'année dernière, si t'as arrêté là, moi je... Mais oui, je mais en fait, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je vais faire, on voit ça tout de suite. On voit pas ça tout de suite. Enfin oui, on voit ça tout de suite, mais mais non. Oh putain, mais non. J'ai pas Equalizer. Ouais, Equalizer, j'arrive pas à... Ça sent les spaghetti bolo. Un, deux. Bien compris. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, c'est le retour de l'univers de Tolkien en jeu vidéo, et Equalizer, c'est un nouveau film où un truand devient gentil. Pouh, comment j'ai éclaté ! On a envoyé le plateau en une fois, quoi. Tu le dis, hein, Wachowski, parce que moi je sais pas. Bah, Wachowski. Mila Kunis et... Boromir. Boromir, c'est quoi la part ? Mais les mecs, ils jouent Boromir. Mais oui. Mais pas du tout, mais... c'est Channing Tatum. Mais non, mais c'est Channing Tatum, le mec. Il y a Boromir dedans. Que me raconte-t-il, lui ? Et ceux qui ont fait Matrix, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les Wachowski, eh bien, le nouveau film aura... T'étais pas trop mal, hein. C'était pas si pourri que ça, hein, tu sais. Je veux dire, on a déjà fait pire. Vas-y. Gamer.com, où vous pourrez venir discuter avec nous sur le forum, mais aussi sur le social, mais vous pouvez aussi venir sur Facebook. Venez. Vous pouvez venir aussi. Une bonne ribambelle de bons acteurs aussi, c'est assez sympa et ça a l'air complètement déjanté. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Salut. Bon, c'est pas si déjanté que ça, mais... On a... Enfin, je veux dire, on a débattu pendant 10 minutes pour savoir quel acteur il y avait. On n'en dit aucun. Et tout de suite, une petite info pour le prochain jeu Batman. Le pignouf libre vaincra. Xbox One au Japon. Microsoft est mécontent des ventes faites par la Xbox One sur l'archipel du soleil levant. Et pour cause... non, en fait, je sais plus. Oh là, attention, ça se met à faire de la poésie. Il fallait me prévenir, là. Il fallait me le dire, parce que... Ça surprend. Et hop. Sinon, dans le sujet, on vous continue de parler, on vous continue... Non, putain. Ma chaise, elle a fait ça. Ouais, ouais, c'est ce qui m'a... Mais, enfin, on continue de vous parler de la Xbox One dans le sujet. Bon. La Xbox One ne se vend pas au Japon. Microsoft est plus co... Est plus co. Polka. Non, ils étaient co, et là, pouf, ils sont déco. Ils sont plus co, voilà. Putain, c'est nul à chier. Ah bon? Bon, ça va. Bah, allez. Ça a déjà été pire. Selon on en a pour vivre. Et nous, on vous parle d'un autre gros jeu, Alien Isolation. Isolation. Alien Insolation. Tu penses au... Ouais, quoi? Au toit. Isolation, toi. On sourit parce qu'on a compris. J'ai rien compris. Putain, mais c'est pas possible. C'est du tissu en fait. Bonjour.
Mais putain, pourquoi il vous chasse? C'est très bien comme ça. Oui, bah c'est très bien, là, c'est très bien. Ouais, tac. Non, t'es pas sur les touches. Sur light. Ok, j'ai pas compris. Et apparemment, il y avait une blague. Non. Il y avait une blague, là, je sais pas. Enfin, ou apparemment, il y avait même pas de blague. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Je m'excuse pour ce petit moment, là, d'interruption. Retour à vos programmes. Dans un instant. Oh putain. Sur total-gamer.com, vous pourrez nous retrouver, mais aussi retrouver des news et plein d'autres choses, un forum, un social, enfin plein de choses pour discuter ensemble. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur total... Oh le pignouf libre vaincra. Ouais, l'automatisme. Là, vous pourrez aller voir Le Labyrinthe, Samba ou encore... Tortue Ninja. Tortue Ninja, putain. J'ai tellement pas envie de le voir ce film que... Tortue Ninja, Tortue Ninja... Bon. Le domaine des dieux. Des dieux. Oui, il y a le... Mais je... Pas des lieux. Non, j'ai... Bon, ok. Voilà ce que j'endure tous les jours. J'en peux plus. C'est dur. Quelques annonces intéressantes pour le Paris Game Week. Oui, dans un peu plus d'une semaine, on recommence. Ouais. le grimoire d'Arcandia, on a marché sur Bangkok. Magic in the Moonlight. Magic in the Moonlight. Moonlight is the magic. Magic in the Moonlight. Ça fait un peu nom de chanson Michael Jackson. Les semaines. Ah, les semaines. Ouais, ça se dit ça. Putain, ça me buse ce qu'il veut dire. Les semaines, ça. Oui, ça se dit sans longtemps. J'ai, j'ai cherché le féminin de lait en fait. La semaine. La semaine. Oui, je peux, on va faire l'émission en bilingue. La semaine. Beyond Earth ou encore Just Dance 2015. Nous, on va jouer à l'exclu Wii U. Putain. Oh la vache. Beyond to Civilisation, Beyond Earth. C'est horrible. Oh putain, je galérais. Le grimoire d'Arcandia. Avec. Chez Albert. Non, Ron Howard. C'est un film de Ron Howard. Ouais. Avec l'acteur qui joue dans Thor. C'est Chris Marquez. C'est pas Chris Marquez. Allez. Un film avec Patrice Marquez. Vous voyez, Chris Marquez, c'est le mec de Danse avec les Stars. Oui, non, ça, j'ai compris qu'ils étaient mieux de Danse avec les Stars. Non, mais, J'achète. Ron Howard. Tu le sors? Ron Howard. C'est facile, c'est comme Tim Howard, mais sauf que c'est pas Tim, c'est Ron. Ron Weasley. Voilà. Et Howard, c'est les... Hogwarts, c'est... MTV Howard. Non, mais Hogwarts, c'est le nom de Poudlard en anglais. Hogwarts. Hogwarts. H-O-G-W-A-R-D. Pourquoi j'aime ça? Bah parce que ça fait un peu Howard. Tu vois, tu veux enlever un G, tu vois. Tu penses Ron Weasley, Hogwarts, j'enlève un G, j'enlève Weasley. Putain, ah, moi je te trouve des solutions. Moi, moi tard, je vais sortir Ron Weasley, un film de Ron Weasley. Ok, sur le site total-gamer.com où vous pourrez retrouver plus de news ainsi que nous sur le forum et le social. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Si vous... On l'a senti d'une. J'ai entendu ta respiration. J'ai entendu que t'avais entendu. Putain de merde. C'est parti. Bonjour, nous sommes Gamer 155, on se quitte avec les Avengers. Voilà. Mais dépêche-toi, mais c'est un des conneries. Tu trouves que ça fait quoi là? Ça sert à rien surtout. D'accord, d'accord. Bon, on verra ça, je le Nous sommes Gamer 155, la semaine du Paris Game Week. Qui s'annonce, et tout de suite, une News Gamer aussi. 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 Ouais, en fait, non, c'était aussi. 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 Bien. S'annonce non, bien. Non, 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 c'était aussi. C'est aussi. S'annonce bien. Aussi, c'était le premier nom de Audi, en fait. Et puis ils ont dit, bon, bah non, en fait, on va prendre la quatrième lettre. Aussi, A-U-C-I. Et en fait, ils ont dit, non, on va faire Audi, tu vois. En fait, c'est au jeu du Scrabble, en fait.
même pas ce que j'arrive à inventer dans ma tête. Là, j'imagine monsieur aussi et monsieur Audi qui sont là, qui se battent pour faire une voiture, tu vois. Et il y en a un qui fait non, moi je vais inventer un mot. Bon, moi je vais inventer une voiture. Nintendox. Nintendox. Nintendox de 30 ans. Je suis désolé, je ne veux même pas exprès. John Wick. C'est le week-end. En fait, il nous rend hommage à nos débuts, la week. On était des tueurs à cette époque-là. Nous tueurs. Cette époque-là, on nous aurait volé une bagnole. Putain. The Giver. Comme MacGyver. Putain, mais le mec, il rate le début, quoi. Je suis en grosse forme quand même aujourd'hui. Lord of the Fallen Farming Simulator. Heureusement, ça ne sera pas montré. Sunset Overdrive, c'est du fun, ou encore du fun. Et John Wick, c'est le Wick. Je vais le sortir. Mais putain, tu fais chier, quoi. J'arrive même pas à m'énerver. J'arrive même pas à faire semblant de m'énerver. Ah putain. Bon, allez, on y va. Avengers 2, le fléau de... D'accord, bon, trop de compliqué. John Wick. Fléau de John Wick. De John Wick. Fait par il se John fout Wick. De ma gueule. Il se fout de ma gueule. Fait par on John va faire Wick. Croire que je le crois. Produit par John Wick. Et acteurisé par ah, John oui. Wick. Ah, c'est bien. Au cinéma, on va vous parler aussi d'un gros blockbuster Interstellar. Et sinon, il y a des choses plus sympas. Non, 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 c'est pas plus sympa. Non, non, c'est une connerie ça. C'est pas plus sympa qu'Interstellar. Non. Carrément. Voilà. Oui, Bob l'éponge revient au cinéma après quelques années d'absence sur grand écran. Il revient avec un film où il se transforme en super-héros avec ses amis pour retrouver la recette du pâté de crabe. Merde. Ah, c'est pas grave. Je savais qu'il y avait pâté, mais après je m'en rappelle plus. Putain. Énormément de sorties jeux vidéo cette semaine, prenez un stylo pour tout noter, il y aura PES 2015, Halo The Master Chief Collection, entre deux il y en a un que j'ai oublié. Lego Batman 3, putain. Assassin's Creed Unity nous balance dans la Révolution française pour jouer un héros qui va monter la cathédrale, ou encore on va voir Serena, un nouveau film dans les années 20 sur l'industrie du bois. Sortez la chaloupe. La cathédrale. Et t'as pas dit Notre-Dame, merde. T'as pas dit la Résolution française? Non, je sais pas. Bah, je sais pas, moi j'ai cru comprendre la Résolution française. On garde, on dit qu'on est des bons, on a confiance en nous. Ubisoft a annoncé le retour d'une licence mythique. La très célèbre... Oh merde. Putain, pas possible. En plus je dis Ubisoft. Oui. J'avais prévu que tu te planterais en fait, tu vois, c'est ma vie elle a bouclé en fait, tu vois, j'avais bouclé jusqu'à ce moment-là, c'est normal. Paul Todd pourrait revenir sur Xbox One, et oui, Microsoft pourrait avoir racheté la licence auprès de Rare, puisque Rare c'était les développeurs, parce qu'en fait, je raconte de la merde, et je recommence. Tout de suite le sujet. En tout cas, le jeu qui a été développé sur NES par Rare appartient maintenant à Microsoft. On verra dans les prochains mois pour plus d'informations. Et tout de suite, une info super sympa de Square Enix. Oh putain, moi j'aime y arriver. Désolé. Les petites figurines qu'on appelle les Playmobil seront au cinéma dans les prochains mois. On n'a pas encore de date de sortie, en tout cas un film sur ces petites figurines. En fait, je me répète 15 fois. Pour déconner. Et tout de suite, un report.
putain. Ouais, comme ça j'ai ma phrase, tu vois. Moi, je suis sûr qu'elle est bien, tu vois, elle tombe bien. Il y a une sonorité dedans, c'est, mais... c'est sympa, il y a du goût. On va rajouter un peu de sel dessus. 15 minutes au four, thermostat 7. Ça vient chaud, un bon vin. Voilà. Ils vont débarquer au cinéma, on ne sait pas quand, en tout cas c'est prévu. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, on attend ça avec impatience. Et tout de suite, un report sur la PS4. On n'attend pas du tout ça avec impatience. Non, je sais pas. C'est dans le pas retenir, et moi je dis on attend ça avec impatience. On passe. Akakat nous emmène à Kirat pour voir ce qui s'y passe, et Dragon Age Inquisition nous emmène dans un monde féerique où des dragons font la loi. Oh, c'était moins une de passer par-dessus bord, là, celui-là. Là, on sent que la vague est arrivée et t'as réussi à attraper une corde, là. Et oui, il faut aller sur total-gamer.com où vous pourrez venir discuter avec nous sur le forum, sur le social, et vous... Tu viens revoir une news, parce que moi, je te dis, tu vas voir une news. Tu remarqueras mon professionnalisme. Je reprends tout de suite. Meurs pas tout de suite, hein. On a encore une news gamer à finir. Oh putain. L'affaire SK1, c'est l'affaire de Guy Maupassant. C'est qui? Guy Georges. Pourtant tu vois, tu sais pas lequel des deux est nom ou prénom, mais c'est nul, tu vois, dans les deux cas. Guy de Maupassant, quoi. Guy Georges. Oh putain, après Vincent Van Gogh, Guy de Maupassant, quoi. Guy Georges de Maupassant. Il faut aller sur total-gamer.com où vous pouvez venir nous discuter. Venez nous discuter. Discuter de notre légitimité, ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Allez-y, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. L'affaire SK1, c'est l'affaire Guy Georges, un meurtrier, un violeur dans le Paris. Dans le Paris de la Révolution, on y trouve Napoléon. Inquisition. Vous ne pouvez plus voter contrairement aux années précédentes. On verra le résultat d'ici quelques semaines. En attendant, voici la News Gamer. Oui, c'est ça. Hein, là, tu fais des trous dans la coque, en fait. Mais du bateau. C'est pour ça que t'avances pas. Tu rames pas, là. Tu sais, t'as les petits machins qui font comme ça. Tu prends les... Tu fais des trous dans le bateau. Bon, bref. World of Warcraft. Ah, pardon. Voilà. World of... Ah, putain, c'est dur à commencer une phrase par ça. Le jeu World of Warcraft n'est peut-être pas... J'étais... Tiens. Le jeu World of Warcraft n'est peut-être pas en déclin. World of Warcraft retourne dans ses positions d'antan, puisque 10 millions d'abonnés viennent de renouveler... Non, ils ont pas... Non, c'est pas ça. Voilà. Le jeu World of Warcraft n'est peut-être pas sur son déclin. World of Warcraft vient de retrouver son niveau d'antan, puisque 10 millions d'abonnés, c'est le chiffre maintenant actuel à l'heure actuelle. Moi, c'est bon, j'ai ma phrase. Oh putain. T'es bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et à la fin du sujet, on vous parle de Child of Light. T'as eu peur que je fasse de la merde. Hein. Ouais. Je sens que t'as senti que j'ai eu peur que je fasse de la merde. J'ai fait pas, sinon je me casse. Dans les sorties jeux vidéo de la semaine, vous aurez droit au petit jeu indépendant Thomas Was Alone, à l'exclusivité PS4 Little Big Planet 3 ou encore à l'exclusivité Wii U Super Smash Bros pour Wii U qu'on vous passe au crible. Au cinéma, on vous passe au crible Astérix et le Domaine des Dieux, mais sinon vous pourrez aller voir The Search, Nightcall ou Tiens-toi... Ah, putain. Tiens-toi droite. Le nouveau jeu de course d'Ubisoft et La French, c'est le retour du duo Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Pas la référence. T'as envoyé le Gilles Lelouch, quoi. Gilles Lelouch. Il louche. Il gille. Que dans certaines occasions. Il louche. Okay. Il gille, il louche. Il louche dans Jean Dujardin. Jean Dujardin. Gilles Lelouch, Jean Dujardin. Cake, Jennifer Aniston.
Il louche et il gile, hein, on est d'accord. Toi t'es beaucoup plus sur le... toi tu giles toi, hein, je pense que... À mon avis, là tu giles trop là. La fatigue quoi. Cake Jennifer Aniston, on est d'accord. Gâteau. En français, gâteau. Non. On traduit en français. Non, en français. Au Québec, ça s'appelait gâteau. Gâteau. Oh putain. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et comme les 159 premières fois, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Oh putain, je me disais 159 premières fois. Allez, on est à la 160e. Ouais, non, mais ok, non, c'est bon. Sur Internet, et plus précisément sur total-gamer.com, vous pourrez venir discuter avec nous, mais aussi retrouver plus de news, plus de vidéos, plus de contenu. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions à nous poser, l'arrivée en décembre ne change rien, vous allez chez notre concurrent... Notre concurrent. Merde. Tu giles encore, putain, c'est ouf. Vous pouvez venir discuter avec nous. Faut que j'aille bosser, moi, merde. On arrête de giler là. Un petit peu. Idéal dans Cake, voilà, un film vraiment, enfin, je dirais pas poétique, mais très bien fait en tout cas, avec pas mal de nominés pour différents festivals, en tout cas. Je me suis dit, mais merde, il a pris une nave spatiale, il est rentré dans un trou noir, on le verra plus là, c'est mort. Putain, des festivals. Des festivals. Non, mais juste un gros casting quoi, voilà. Plusieurs nominés pour des festivals, machin, avec un film qui parle de. Mais on retrouve tout de suite une interview de Jennifer Aniston pour nous parler de ce film. Oh là 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 là, putain. Fallait pas retenir. Allo 5 bêta. Qu'est-ce qu'il lui passe, il arrive ? Le bêta fera 10 gigas. Oh ! Oh ! Du coup, elle faisait 16, je crois. Oh ! Ah ! Au moins, je mets pas de bêtises. T'es un peu Gilles, toi. T'es un peu le louche, quand même. Un petit okay. Peu le jardin aussi. Bonne Boulevard, Roche 10ème je crois, mais Bonne Boulevard surtout. Franchement. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. C'est tout. Bah Bonne Boulevard, la rançon de la loi. Charlie Chaplin. Chaplin. Bon, tu giles un peu là. Arrête. Voilà, faut que je commence Assassin's Creed et je le finis ce soir. Mais moi ça y est, je l'ai déjà fini. Putain. Bon, on est parti. Ah oui, je t'attends. Ah, tu es un muy bonita, banana. C'est moi qui ai été utilisé pour les doublages de l'émission. Banana. J'en ai marre. Bob. Bob. Non, Bob, Bob, Bob. J'adore ce trailer, son mec. Il y a une putain de musique. Quand ils arrivent à New York, c'est Foxy Lady, c'est la classe. C'est la méga classe. Oh attends, je vais fermer ça parce que les autres cons ils font du bruit. Fais pas de toi. Arrête de taper partout là. Ah oh, on avait tout mis en placé là. C'est du banana. Banane. Bon allez, du banana. Je vais taper Alien Banana. Alien Banana. Parce que du coup j'ai fait une tête un peu bizarre, j'ai... Je me suis dit que c'était trop ça, nul. Ça changera pas. J'ai failli t'envoyer un bécherel à la gueule. Enfin voilà, là, on voit avec un dictionnaire c'est la route. C'est moi qui dis oui, Strange is life, life is strange, c'est nouveau. D'accord. C'est nouveau. Dans la News Gamer, c'est nouveau. Et voilà. En plus, je suis même pas sûr. J'ai toujours raison. Je suis même pas sûr. Ah, si. D'ailleurs, non. Non, si, là, moi je suis sûr. Non, non. Moi je suis sûr. Non, non. Si, si. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer. Désolé, j'ai le cul qui me gratte. D'accord. Ouais. Ah, voilà. Zi, le c'est... mec. Ah putain, attends, je vais me bailler la gueule en plus. Le mec, il a des verres au cul. Ah, mais excusez-moi, ça me gratte.
Excusez-moi. Putain, on va arriver à la faire ou quoi celle-là? Microsoft serait actuellement au travail sur des lunettes de réalité virtuelle pour la Xbox One. Pour l'instant, ce sont que des rumeurs, mais on attend ça avec impatience, ça permettra de concurrencer. Oui, c'est ça, concurrencer? Oui. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ok, je sens qu'on est bien. Je sens qu'on est bien. Hein. Il y a moyen qu'en fait, ça soit pas la dernière de 2014, mais ça soit la première de 2015, là. Au rythme où on va, je pense qu'il y a moyen que... On peut même viser la fin d'année 2015, là, je pense, pour une release date. Vas-y. Appelle les actionnaires, il y a du retard dans le boulot. Microsoft serait actuellement au travail sur des lunettes de réalité virtuelle pour la Xbox One, tout simplement pour que... Pour cultiver des haricots. Pour concurrencer. Ah oui, pour cultiver des bananes. Et dans le sujet, un nouveau mode pour GTA Online. Tu sais que j'ai failli rigoler en fait parce que je me disais, ça se trouve, tu te fais chier et je vais rater mon truc après. Et de me le dire en fait, ça me faisait rire. Ah oui, Bandai Namco qui rechange de nom, ça donne quoi alors? Ah, c'est au lieu de Bandai Namco Games, c'est Bandai Namco Entertainment. D'accord. On s'en fout. Oui. Bandai Namco rechange de nom. Eh oui, après un changement de nom qui... Oh non. Bandai Namco rechange de nom. Après un changement de nom... Oh putain. Non, on est bien, je pense que t'avances là, c'est bien. Intériorise tout ça, ça fait... Oh putain. Avec le même nom. Et à la fin du sujet, des nouvelles de Minecraft. Tu m'as un peu surpris là quand même, hein, mais c'est bon. J'ai du talent. Oh le mec. Du coup, passer au crime, y'a que ça? Ouais. Y'a rien. Non. Oh la crise. C'est de la merde. La crise absolue. Bon bah du coup moi c'est facile hein. Exodus Gods and Kings et comment tuer son boss 2. C'est le nouveau peplum de Ridley Scott et comment tuer son boss 2, c'est Jennifer Aniston dans son rôle dans une comédie. Dans son rôle dans une comédie. C'est quoi cette phrase? Putain, t'as pris du crack ce matin, c'est quoi les Kellogg's? Ils étaient pas frais à mon avis là, il y avait un truc... Oh la vache. Non, c'est parce que en fait, voilà. Cinéma, on se contentera de Exodus, Gods and Kings et comment tuer son... Ah putain, pardon. Car tu vois, et il me fait chier. Il vient m'attaquer. Il m'attaque la gorge, là, tu vois. Il m'empêche de parler. Elle l'enculé, là. Oh putain, oui, c'est tard. Merde.